Pour la première fois depuis le début de sa présidence, Barack Obama s'est rendu dans une réserve indienne. Devant une foule de près de 1800 personnes à Standing Rock, dans le Dakota du Nord, le président américain est arrivé en compagnie de son épouse. Il est le quatrième chef d'État en exercice à se rendre dans une réserve indienne. Barack Obama a appelé à intensifier les efforts pour aider les populations autochtones, notamment dans la création d'emplois, le renforcement de la justice et l'amélioration de la santé et de l'éducation. And we want every young person in America to have the same chance that we have. And that includes the boys and girls here in Indian country. I believe that we can turn the corner. We can break old cycles. We can give our children a better future. Le taux de pauvreté et de chômage chez les autochtones des États-Unis est deux fois plus élevé que pour le reste de la population américaine. Dans cette réserve où vivent 850 personnes, plus de 60% des travailleurs valides sont sans emploi.